Test. Allô? 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 Allô, allô, allô? Allô? Ah putain, il a galéré à marcher mon micro, hein. Et il est là. Puis tout à l'heure, celui-là, genre, allô, 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 allô? allô, allô, J'en ai vraiment marre. Je me suis dit, mais il se fout de ma gueule, il fait exprès, là. allô, allô. Non. J'entendais vraiment rien. Allô? Allô? Alors qu'avec une bonne console, bah, il n'y aura pas de problème, hein. Eh, une bonne vieille console. T'as 30 FPS, mais au moins, c'est normal. Non, avec la PS4 Pro, Tu en as tu peux avoir 60. 50 ou 60. À peu près. Je vais t'inviter. FPS. Pitié, FPS. FPS. Enfin, un concours de voix aiguë. Non, je veux la chanson, moi. J'ai pas reconnu. Allez! Ouais, je faisais big de. Bah, bref, allez, ah non, tu... c'est toi qui m'invites. Ah, fais chier, non! Si tu veux, je quitte, tu peux m'inviter, mais. Vas-y, invite-moi. Ah, Sloop, tu vas te fermer. Si j'ai pas de FPS sur le jeu là. Oh merde, j'ai levé l'ancre! Non, stop! Bah, salut. Oh, tu peux me rejoindre? À bientôt. On se retrouve plus loin. Alors, Vas-y. Terra, t'as trouvé un coffre à Paris là? Il y avait quoi dans les coffres au final? Alors j'ai cru voir une console, j'ai pas vraiment regardé les posts, mais j'ai cru voir une console. Ok. J'ai cru voir des pièces, des clés, mais j'ai pas vraiment compris à quoi ça servait. J'ai pas bien suivi en vrai. Alléluia, j'ai mes FPS. Ce qui Yes. fait que peut-être que sur Saucisse de Morto, j'aurais eu mes FPS si j'avais reboot. Exactement. On peut retourner Mais sur trop Saucisse de tard. Mordo si tu veux. Non, ça va. Ok. De toute façon, ça marcherait sûrement pas, t'inquiète. Non mais ouais, parce que Vaut en plus j'ai mieux. lancé Sea of Thieves là. Ouais, vaut mieux jouer la sécurité, je pense, hein. Ouais, Ah, c'est c'est sûr. sûr. Ah, faut pas faire de bêtises, hein, on sait jamais. Oh, je vais déraper et puis j'aurai. Non, c'est long. On va prendre des vite fait des tonneaux et des Ouais, skis sur les je tonneaux. prends des tonneaux là. Il fait pas beau, hein. Oh non, je vais pas te dire parce que tu dois déjà le savoir, mais bon. Moi j'aime bien quand il fait beau dans les jeux vidéo et quand il y a des grandes étendues Toi aussi. vertes. Parce Ouais, que là, en j'adore. l'occurrence, il fait pas beau. Hein. Non, là c'est pas top. Où est le bateau? Je le vois, mais je vais aller à la nage parce qu'il est loin. Mais va dire à la croupière là de changer nos voiles. Ouais. C'est toi Aïe! qui sonne? Quoi? T'as fait sonner des cloches là? Non? Bah si, Non? il y a quelque chose qui sonne. J'ai rien fait. C'est une blague. C'est peut-être parce qu'on est dans une tempête. Quand on est dans une tempête, la cloche sonne. Ah! C'est marrant ça, parce qu'il y a trop de vent, du coup elle sonne. Ouais. C'est comme ça qu'on peut savoir quand on est dans une tempête. D'ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est pas assez visible. Bah, eh oh! Bon, les gars, d'après vous, il fait plutôt beau temps ou on est dans une tempête là? Voilà, la La cloche cloche sonne, on est dans sonne, une tempête. hein! Et D'ailleurs. change les. T'as changé les canons là! Quoi? Ouais, attends. Et d'ailleurs, oui, on coule parce que. Quoi? On coule déjà parce qu'on est dans une Non, on coule tempête? pas! Bah. Bon, il y a de l'eau dans le fond de la cale, c'est pas. Ouais, il y a un peu d'eau, quoi. Par contre, alors là on était sur une quête plus. Une Une bonne quête de quête. qualité, il me semble. Une Une grosse incroyable quête! quête. Une super quête! Une superbe quête. Donc, normalement, on va pas être déçu, hein. Mange-moi la quête! Hop, on va dans réputation. Et on va dans. Je vais Femme juste de vérifier un justicier. truc. L'art de la piégeuse. Madame Olivia vous indiquait que Sir Gibby avait rendu visite à Salty, le perroquet. Se voilà-t-il intéressé, connaît peut-être d'autres choses sur ses projets de dissimulation du Shroudbreaker. Salty ne reste jamais très longtemps au même endroit, mais il a été aperçu au-dessus de la Plunder Valley. Mais est-il digne de confiance? Plunder! Alors c'est parti, direction Plunder Valley, qui se trouve, je crois, en bas à gauche. Paf! Et c'est assez loin, direction ouest. Ok, Vite alors, pêche ce connard. deux petites secondes. Il y a. Quel connard. Attends, Terra, je t'explique. Vu qu'on est dans une tempête, Oui. et quand tu utilises une sangsue dans une tempête, tu peux avoir un poisson extraordinaire. Qui est. Alors là, par contre, du coup. Voilà, donc là, on l'a loupé. Il est parti.
C'est pas grave. Tu peux avoir un poisson avec un long nez pointu. Ah, le poisson de Galilée. Voilà, c'est ça. J'en ai entendu parler. Allez, tu mords. C'est peut-être pas le bon celui-là. Putain, il est énervé celui-là. Avec une sangsue, il te faut une sangsue pour Dans les tempêtes, il faut obligatoirement une sangsue. Oh, on s'est pris un éclair dans le museau là, non? Ah merde, j'ai presque fini, hein. J'arrive. Mais il te faut un appât sangsue? Ouais, c'est ça. Et c'est quoi un appât sangsue? Comment on fait pour savoir ce que c'est un appât? Ouais, c'est marqué, il est marqué sangsue. Vers de terre, larve. Vers de terre, larve sangsue. Et sangsue, c'est les trois types. Ouais, mais là, je t'ai sorti de la tempête. C'est pas grave, j'ai commencé avant la tempête, je pense que c'est bon. Mm-hmm. Ah, mais c'est un poisson de merde en plus. Ah, c'est pas du tout le poisson que je cherchais, quoi. Bon. En plus, pour un bon clash, j'ai une idée de, avec des... pas spoiler, mais... Oh si, je vais spoiler parce que personne ne peut me voler l'idée. Vas-y. Donc deux équipes, deux personnes, on démarre chacun dans à chacune des extrémités d'un énorme labyrinthe géant dans lequel il y a des coffres cachés et il peut y avoir donc il y a des coffres avec des bonus et tout, ça rapporte des points en fonction des trésors et on peut avoir des bonus où on peut trouver un drone et avoir une vue du dessus. C'est trop bien, mais genre tu vas trouver où un labyrinthe? Il y en a plein partout des labyrinthes géants. Regarde. C'est une écaille ancienne. Oh, je vais la cuire. Je sais pas. Je vais la cuire. Et des fois, t'as des poissons trophées qui sont énormes. Et ils valent très cher. T'as vraiment... Ah, je me suis renseigné. T'es vraiment mis en quête de pêcher des poissons. Je me suis vraiment renseigné. C'est ma vie. Comment après tu veux faire croire que les youtubeurs, c'est pas des chômeurs? Je vais pêcher tous les poissons. Mais j'ai une vie, hein. J'ai même un travail. Ouais, y a pas de problème. J'ai une meuf, hein, ça va. Bon, je l'ai pas vue depuis quoi, une semaine, mais on habite ensemble, quoi. Donc ça va. Grâce à l'inquiétera, j'ai acheté sur 6 et c'est vraiment bien. Et merde, encore une OP qui nous est passée sous le nez. Il est pas sur le Epic Game Store, là, sur 6. Non. Putain. Faut qu'on recommence à jouer un peu à des jeux du Epic Game Store, hein. Ouais, là, ça commence à faire longtemps, là. Et oh, on se ferait pas un petit Fortnite? Allez, bah tiens, soyons fous. J'ai envie d'un petit Fortnite, là. Moi, j'adore, hein. C'est juste... j'y joue hors live, souvent, parce que ça fait chier les gens, mais... Moi, j'adore. Je vois pas pourquoi on le trash le jeu. Moi, j'aime bien. Tu sais que ça se trouve le jeu serait bien, c'est juste qu'il a une mauvaise image à cause de son côté ultra populaire et un peu gamin. Ouais, le jeu est bien, ouais. C'est juste... ouais, c'est... Ça donne pas envie de jouer à cause de l'image qu'il renvoie. Et c'est triste. Pas pour Epic Games, parce que genre Après, c'est en le vrai, studio le plus riche du monde. Mais... Je sais que c'est un jeu qui me plairait pas dans tous les cas parce que la construction ça me fait vraiment chier, ouais. C'est un truc que mais je trouve parce pas... que le jeu est devenu beaucoup trop hardcore, donc du coup maintenant il y a un trop gros niveau. Mais imagine le jeu aurait juste le niveau du jeu build genre pour tempo. Et pas je construis... Moi ce qui me faisait chier c'était à partir du moment où les gens commençaient à faire des murailles quand tu leur tires dessus. Ouais bah ça j'aime vraiment. C'était juste resté au stade du « Ah ok on peut s'installer là pour l'instant et on fait une base ». Pourquoi il est mort? Fin de mois, il y a une grosse mise à jour sur Satisfactory. Bah, on a vu qu'il y en avait une, mais on s'est dit que ça valait peut-être pas le coup parce qu'à mon avis, c'était pas ouf. On va attendre. Mais si vous dites qu'il y a une grosse mise à jour. À fin du mois? Déjà, il y a une vidéo qui va sortir Satisfactory sur la chaîne déjà. Histoire de relancer un petit peu la. Pour commencer. Alors, je regarde un peu la quête, je me tiens pas au courant là. L'art de la piégeuse.
Salty, ok. Ah, c'est un perroquet. Ok. Nice. Ça me rappelle une histoire, le perroquet. Une certaine tombe. Ouais, une tombe super. Ça t'est bien amusé. Mais Terra, il l'a trouvé depuis le début, il est trop bête! Il a Ah dit qu'il y putain. avait un perroquet! Je m'étais fait troller par toi, par tout le monde, c'était infâme. Tout ça pour finir par vouloir te faire une blague en te faisant exploser pour que là où je pose le taux d'explosif, j'ai la tombe. Ce soir, me trollez pas, je suis malade. Vous pouvez pas vous attaquer. Mais c'est vrai que tu t'es blindé au médoc là pour éviter de devoir courir. Ah là, j'ai pris. Oh, un poisson trophée! J'ai pris juste un paracétamol, hein. Light. C'est tout? T'as pas peur que d'un coup il y ait une urgence? Que t'aies un coup Non, de fil? non, mais pour le. Non, non, pour le caca. Pour le caca, ça va, c'est pas trop hardcore. En vrai, ça va. J'ai fini en fait. Bah ça va. J'ai plus Ah rien en t'as y'a plus moi. rien. Non, j'ai plus rien en moi. Ça c'est Et pratique je ça. mangerai après le live. Tu vois, j'ai tout prévu. Eh, c'est toujours plus safe de manger après le live de toute façon hein. Ah ouais, c'est clair. T'as un peu faim, mais au moins, tu te fais pas caca dessus pendant le La live. dernière fois ça m'est arrivé, je sais là, genre oh là avant, j'ai pourri le truc. Je me suis dit, eh, j'ai plus rien dans le cul, donc je peux y aller. Qu'est-ce que je fais? Je mange un énorme burger maison et ma Oh non, rebelote. l'erreur de base. Oh, quel idiot je fais. Je me demande s'il y a d'autres streamers qui ont la diarrhée. Faudrait faire Trop folle. un Stropole de. Je sais pas, on connaît pas bien nos collègues en vrai. Je suis sûr qu'il y en a qui sont pas bien. Tu sais, ceux qui sont. Ils font les bonhommes à faire des lives de 10 heures là. Allez, tu commandes ton Uber Eats pendant ton live de 10 heures là, va pas me dire que. T'as pas des Pas incidents. à nous, hein. T'as pas des incidents, allez, dis-le. Ça passe. J'ai l'impression qu'on est une génération de streamers avec la chiasse. Je me suis fait souhaiter mon cul, ouais. T'es allé aux toilettes, c'est tout. Ils savent plus quoi inventer, les mecs. Ça pour se cacher. C'est un truc normal. Hop Hugo là! pendant le Putain, comme il est gros récap. l'enfoiré! Hugo pendant le récap, il a pas le choix lui. Oh putain, pendant le récap, c'est compliqué. Ouais, il a déjà fait Regarde, des. comme Oh il est gros. putain! Mais attends, mais comment tu les chopes ceux-là? Bah, ça, c'était sans appât. C'est random. J'ai eu de la chance. Bah vas-y, dégage, conduis. Ça c'est sans. Sans appât. Pourquoi je peux pas le ramasser là? Sais plus comment on fait Ok. pour remonter la ligne. Attends, faut que je le cuise. Quand tu les cuis, ça se revend deux fois plus cher en gros. Et j'en avais vendu un à plus de 1000 balles, hein, je crois. C'est ça, Ah, mais ça donne envie quand même. ouais. Ça donne envie. Ça donne envie d'arrêter tout le reste. Se mettre à la pêche, quoi. Préférence à moi. Moi. Ah, j'ai oublié comment on pêchait, merde. Bah, il va bouffer une larve, ce con. Aïe aïe aïe. Tu fais clic gauche uniquement quand il bouge plus. Et Clic droit ou clic gauche? clic gauche quand il bouge plus. Attends, Et pour quand l'attraper, c'est clic droit? clic gauche. Gauche, ok. Et quand il bouge plus, clic droit? Clic Non, gauche? clic droit jamais. Tu fais jamais clic Pas droit. avec clic droit. Non. Clic droit c'est pour annuler quoi. Eh ben, ça pêche pas grand chose. Ça mord pas. Ah, c'est bon. Ah, il faut accompagner. Tu vas dans le sens inverse avec tes flèches, genre ZD, ZQ, Ah ok, en fait Z. je tire pas la ligne. Ok, je tire pas la ligne. Tu fais l'inverse de ce qu'il fait et tu tires pas. Mais c'est un peu long, non? Merde, mon poisson il va cramer. Ça peut être long, ouais. Vite, vite, vite avant qu'il crame. Pas mon trophée. Vite! Wouah, il a bien cuit le bâtard, hein, ça, je crois que c'est bon. Tu sais quand il est cuit ou pas? Ouais, il passe du blanc au doré. Et je crois qu'il peut être noir après, il peut cramer. Mais j'en ai jamais cramé un, donc je sais pas. Alors, j'ai quoi? C'est de la merde, ça est tout petit, à mon avis, c'est que dalle.
façon, Pick-up que en éclaboussante. fait, c'est très précis en fait. Tu pourras pas avoir de trucs particuliers ici à part des gros. T'auras toujours celui de base en fait. Parce que, genre là, genre il y a des poissons que tu dois chercher dans les tempêtes, d'autres que tu dois chercher dans les forts qui sont actifs, d'autres dans les épaves. Et pour chaque type, tu dois mettre le bon appât quoi. Il y en a, c'est vers les volcans. Ah, mais il est blindé au niveau des poissons, mec. Quand c'est la nuit, t'as les versions phosphorescentes un peu des poissons, ce qui est pas mal. Ouais, je suis plein d'axes. Et tu veux faire de la pêche pour de vrai? Tu veux faire un wanklage sur de la pêche? Ah, ce sera controversé, mais Ah, bah, ce sera trop controversé, en vrai, j'aimerais bien. Tu sais, quand j'étais petit, je pêchais avec mon papy, et mon Bah, papy, il était pas. si le... Il est controversé, mon papy? Ça, C'est moi j'ai ça? jamais pêché. Ouais, j'ai pêché deux Enfin, fois, avec moi. des gens de ma famille. J'ai pêché une fois, mais c'était avec un pote. En vrai, bah c'est marrant. Après, mais bon, même si tu les relâches, tu leur fous quand même bien un Non, hameçon justement, moi dans la dans ma mâchoire. tête, je trouve ça moins cruel de le manger Ouais. que de le relâcher avec un trou dans la Parce que mâchoire. tu lui fais grave mal, quoi. Bah, surtout que ça se trouve, il va juste crever parce que le truc il va plus pouvoir bouffer, parce qu'il a l'hameçon qui lui a arraché la moitié de la gueule. Pas cuit? Vous l'avez pas cuit mon poisson? Il était blanc? Voyez les blancs? Ouais, faut le remettre un peu. Oh putain! Alors, j'ai jamais dit que c'était facile d'avoir. Ouais mais moi je peux pas savoir parce que quand c'est mes pavés de Findus au cabillaud, ils sont orange tout le temps. Mais en vrai, dans tous les trajets, si on pêche un peu de poiscaille ou qu'on trouve une épave, on va arrondir nos fins de mois. C'est un vrai projet. Hein. Ça rapporte plus que cette fable à la con. Hein. Faut le savoir. Hein. Attends, mais lui d'ailleurs, on va le trouver comment? Parce que c'est pas un avant-poste, hein, le Nord-Valais. Hop. T'en fous de ce que je te raconte en fait. Attends, je suis concentré sur mon gréneau là. Quoi? Bah, vu comment il est raté. Faut trouver le perroquet d'eau là. Il est où? Au-dessus de la Plunder Valley. Au-dessus de la Plunder Valley. Au-dessus. Ok. Tout en haut? Ouais, sûrement. Non, tu sais, les traductions, hein. Oh, à Ouais, peu près voilà. quoi. J'ai trouvé un crâne, je crois. Eh bah tu nous ramènes ça? Ouais. Il est beau. Il doit valoir au moins 10 000 celui-là. Est pas beau mon crâne? C'est combien ça? Ça te dérange pas que j'appelle mon espérant crâne? Non, celui-là a les yeux verts, je t'en donne deux pièces. Ah, là il y a une statue de d'oiseau, est-ce que ça a un rapport? Après, un perroquet, c'est reconnaissable. Oui, mais je sais pas si on va voir un vrai perroquet ou non, c'est ça que je veux te dire. Pourquoi vous dites des faux chiffres? J'aimerais vraiment savoir si je suis riche en fait. Au-dessus de la Plunder Valley. Bon, faut que je trouve des appâts, moi. Ah, mais j'ai déjà été ici, près de Après, je me suis l'astronef. catapulté exactement où t'es, donc. J'aurais dû Non bouger. mais est-ce qu'on doit chercher un perroquet pour de vrai? Bah, c'est ce qu'ils disent, hein. Entre ce qu'ils disent, hein, Allez, est-ce que le gouvernement nous ce qu'on nous raconte? dit! Et la vérité, monsieur dame! Ouais, Monsieur ouais, Collard, Monsieur Collard, Monsieur ouais! Collard! Bon, comment je fais? Bon, on va relire la quête un peu pour essayer d'avoir plus de détails. Doit être au sommet celui-là, là. Regardez, là, tout en haut comme ça, l'enfoiré. Non? Salty n'aurait jamais très longtemps au même endroit, mais il a été aperçu au-dessus de la Plunder Valley. Mais est-il digne de confiance? Oui, bah au-dessus de la Plunder Valley. Bah là, il y a des oiseaux qui tournent, il n'y a pas Salty qui. Eh ouf! Salty! Salty! Je sais pas là, ils sont en train de. N'est que des mouettes là. C'est des perroquets ça? Bah oui, c'est des perroquets. Comment faire pour savoir si c'est le bon? Attends, où ça? Là, il y a des perroquets ici. Qui tournoient au-dessus. Au-dessus de nous, tu vois, c'est des perroquets. Ah ouais. Du coup. Oh, noble perroquet! Est-ce que l'un de vous se prénomme Salty? Parce que bon, au-dessus de la Plunder Valley. Ouais, bah il doit être là-haut là. Y a plein d'arbalètes là, on peut pas lui tirer dessus. Eh hey, oh! Salopard!
Ouais. Putain, s'il faut le trouver sur toute l'île. Ouais, c'est que c'est grand, hein, Ah ouais, mine mais de en rien. plus, je dis ça, mais non, il y en a plein d'autres encore. C'est grand, hein. Il y en a plein, plein, plein. Plein, 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 plein. C'est un perroquet en... Ah, c'est un En perroquet squelette? squelette. C'est vrai ou pas ça? I see. Mais il est mort ou pas? Probablement. C'est un squelette vivant ou c'est un squelette mort? Bon, il doit nous parler, du coup j'espère qu'il est vivant, quoi. Sinon c'est un peu la galère. Où est-ce qu'il est ce connard? Putain, je l'ai trouvé un peu rapace là sur les radins. Enfin, radin sur Ça, puis les les mouettes. appâts. Ça, c'est des petits cochons. Il y a encore des perroquets, mais il y en a trop. Comment on fait? Il n'y a pas d'autre indice que ça? Non. On entend son cri en l'approchant. D'accord. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait lui? Faut juste que j'arrive à descendre, mais parce que j'ai mon... au-dessus de Plumber Valley, c'est... Bon, je vais courir partout. Je vais fouiller des endroits où il y a des perroquets qui tournent. Ouais. Il y a peut-être un moment donné où... C'est où que je les ai vus voler là, les perroquets merde. Je tape jamais les cochons sur Sea of Thieves. Ils me font vraiment de la peine. Pourquoi tu voudrais les taper? Je sais pas, comme ça. Pour rire. Bon, je pourrais en rire, non? Enfin, mais je le fais pas. Ça c'est une mouette. Ça te fait pas marrer, toi? Si si c'est marrant. Frapper les cochons? Ça c'est une poule. Il est où ce con de Putain, ils perroquet? auraient pu nous donner un petit indice quand même, hein. Ah On est qu'au début, hein. c'est grand, hein. Plumber Valley c'est grand. On est au début, soyez sympa, quoi. C'est sur la map au-dessus de Plumber. Ah, genre, je vois. Genre au nord. C'est quoi ce bruit? Attends, je crois que je l'ai entendu. J'ai cru l'entendre. Non, c'est moi. Il y a vraiment un bruit d'oiseau là. Oui, bah y a plein d'oiseaux en même temps. Refais-le. C'était là. Pourquoi? Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Ah non, c'est où? Près de l'épave. Près de notre bateau en fait. On était parfaitement sur le truc. Pourquoi t'étais là-bas? Bah, je suis revenu au bateau. Pourquoi faire? Pour déposer mes vivres. Et mes appâts. En attendant, d'ailleurs, je vais aller le faire. Bah non. Ici, près du feu de camp. Ah c'est bon, je l'ai trouvé, tu peux venir. Il est là, juste à Ah, côté de merci, l'épave. j'ai été trop en galère. Même pas une petite musique? Si, on dirait Sherlock Holmes. Pourquoi j'ai pas de musique? T'as pas de musique? Non. Looks like it's back to the stale bug seed for me. Truth be told, no one's seen the trap maker in ages. I did find these notes she left behind, though. Seems to me she was put to work designing traps for old Briggsy herself. Ferme ta gueule. Tu vas fermer ta gueule, tu vas donner les infos là. Perroque merde, donne-nous le livre. Allez, dépêche-toi, j'ai chaud là. Oh l'enfoiré, putain. Oh, allez, dépêche-toi, ça descend. Dépêche-toi, je suis tout mouillé là. Allez. Bah, une mouette, sale-t-il, speed.
Merci, au revoir. La célèbre conteuse est elle-même empêtrée dans une malheureuse histoire. Par mon art, je vais me venger, la trahir par le bois, instiller ma haine dans le fer et bâtir une cage pour sa jolie pierre. Ça fait. Pourquoi il essaie d'écrire des trucs qui sont jolis là? Je veux juste une direction, moi. La pierre a attisé la cupidité de trop de cœurs et trop d'âmes. Pourquoi la cherchez-vous? Si seulement vous voyez ces mers pour ce qu'elles sont. Il y a un système de levier chelou. Oh là là, Maintenant, ça. seul le rhum peut vous ouvrir les yeux. Vous montrer la marche à suivre. Cherchez la grotte d'ossement sur Plunder Valley. La grotte. Bon, c'est Je vais bon, aller. on y est. La grotte Je sais où d'ossement. aller. Je sais où c'est. Tricheur, j'arrive. Bisous, Attends-moi. je m'envole. Arrête! Attends-moi! Là là là, je l'ai trouvé tout à Non! l'heure. Voilà là là. Au fond. Non, je te lis pas la suite. Comme ça, tu vas le voir. Ah ouais, t'as le bouquin aussi. Tu crois peut-être que le bouquin il est posé près du bateau, je l'ai dans les mains. Jamais! Là là là. Putain! Alors, le capitaine français montre du doigt le feu et la cendre, met dans la main deux amants regardent leur destin. Nadia a posé son verre, gère son masque d'or. Tu vois, tu comprends rien. Il nous Le capitaine faut français qu'on soit à montre du deux, doigt sinon tu le n'y feu et arriveras la pas. le feu et la Il cendre. faut qu'on s'unisse. Dans une grotte, le feu et la cendre. Le feu et la Trouvé! cendre. Tu mens. Merde, je suis pas Merde, sûr. il est là. Ah. T'aurais pas dû me Le dire, je. feu Attends. et la cendre. Oh, ananas, je crois que ça heal bien ça. T'es rentré par où? Bras de squelette déplacé. Ah. Ça doit être Ah, c'est des ça. trucs que j'avais dit. Ouais. Il y a longtemps. Du coup. Le capitaine de Forsaken montre du doigt le feu et la cendre. D'accord. Le Ouais, mais comment on fait capitaine. pour ce capitaine? Hé hey, Il qui doit me peut-être tire y dessus? avoir D'avoir un chapeau de capitaine. un. Ouais, je suppose. Quoique non, eux ils ont des pierres rouges dans la Par gueule. contre, il y a un mec avec la bière, lui, il est indiqué lui. La livreuse de rhum a posé son verre, a posé son verre. Bah, faut le poser comme ça, Hop. voilà. La voleuse se cache derrière son masque d'or. Ah, les amants. Les amants, c'est les deux qui ont des pierres rouges. Et ils font quoi, les amants? Je sais pas pourquoi ça le dit pas. Attends. Main dans la main, deux amants regardent leur destin. Main dans la main. Hop. Faut donner la main. Voilà. Voilà. Et la voleuse avec le masque d'or, elle est où? Bah là, elle a. Là, il y a un pendentif. C'est pas un masque. Là, on a la tireuse de bière. Elle, c'est quoi ça? Ah, le Ah, c'est masque. là, son masque d'or. Montre. Ok. Ouais, se cache derrière son masque d'or. Et Et il ensuite, manque le capitaine qui montre du doigt le eh ben, il feu et la reste plus que cendre. lui. Il reste que lui et il va montrer le feu. Le feu et la cendre, c'est Comme ça. là-bas. Faut qu'il monte le. Monte. Vise-moi. Vas-y. Voilà. Il y a eu un Et bruit, là. mais. Attends. Ah, Ah, ça regarde! descend. Eh, ça me fait trop penser au Goonies. À un moment, il y a des cages comme ça, non? Ouais, il y a ça, les squelettes et la Longue grotte. vue. Bon, la fable commence plutôt bien. J'ai Ah, c'est la apprécié. fameuse quête où on va gagner une de cette longue vue en verre de merde. Wouh, super. Alors, vous détenez ma longue vue spéciale. Retirez vos trucs de merde là. Un test pour voir si vous êtes Pour digne de voir si protéger vous ma êtes pierre. trisomique. Allez à Plunder Valley et cherchez ma marque. Putain, mais c'est bien, on a tout à faire ici. Cherchez ma marque. Debout, appréciez la vue. Vous devenez l'emplacement de la pierre. C'est Plunder Valley qui est dessiné en haut à droite ou pas? On dirait, parce qu'il y a l'épave. Ouais, puis il y a le logo. Faut juste regarder à quoi ressemble Plunder Valley.
Ah non, c'est l'épave. Bah on a qu'à aller On dirait que c'est l'épave, hein. go à l'épave. Tu sais pas où c'est la sortie? Si, regarde. Putain, j'espère que... bof. C'est pas la meilleure Oh, sortie. sorti comme une autre. Fais pas attention à lui. Oh, attends, il y a un crâne luisant là. Ah, c'est un crâne qui vaut du pognon, ça. Allez, le pognon là! Oh, il va à peine viser, tu l'as mis une praline. Alors ça, si ce crâne vaut pas 1000 balles. Je crois que c'est le même que ce que j'avais. Il Oh, ressemble. non, il est mieux, je pense. Ouais, sûrement, ouais. Moi, il est en or. Ah, d'accord. Merde. Bon, putain, on a vraiment pris la mauvaise sortie, quoi. C'est bizarre, pourtant tu connaissais la sortie. Taillot! Ah non, c'est... Y'a pas assez de fond! Oh putain, si, c'est bon. Ah bah je vois l'épave. Va falloir trouver cette marque là. C'est pas si simple. Et au pire, je vais aller vérifier sur le bateau quand même que ça ressemble bien à l'île parce que. Bah, normalement, oui. Non, mais je pense que c'est ça. Là, il y a l'épave, donc ça devrait être. Ah, peut-être pas parce que c'est censé. Il est censé y avoir une entrée de flotte que je ne vois pas. Ouais, genre l'île elle est un peu ouverte quoi. Parce que là, il est censé y avoir de l'eau qui rentre à l'intérieur de l'île. À moins que ce soit du sable. Sur le. Là, je regarde la map, on dirait que c'est du sable. C'est du sable? Ouais, ouais, Donc, ce ouais. qui est... Donc le truc foncé ce serait du coup de Donc l'herbe. faut suivre le sable. Ok, je vois à peu près. Faut partir à droite. Il y a deux chemins, ouais, par là où tu vas. Ouais, mais du coup ce serait plutôt du côté des rochers. Ouais, vers la gauche. Donc le crâne avec les pics, il devrait pas être loin d'ici. Il devrait être même par là, là. Attendez, parce que là, ça part des deux côtés. C'est C'est bon, plus... c'est ici. Non. Vous détenez ma marque. Je suis pas Allez, sûr. on va aller chercher ma marque. Debout, appréciez la vue. Vous devenez l'emplacement de la pierre. Ok. Attends-moi. Alors. Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Oh. Alors. Non. Ah. Alors du coup, faut trouver Alors, tu le devines? une marque. Attends, laisse-moi regarder 2 secondes. Moi, en tout cas, j'ai trouvé pour l'instant. Pour ça que tu regardes partout. Oui, je regarde s'il n'y a pas une deuxième pierre. Putain, faut se mettre depuis la marque. Être là et on est censé trouver, je pense, un truc où aurait peut-être la croix. What the fuck, man? C'est peut-être La sur une autre croix? île? Non. Genre à l'horizon? Ouais, bof. Raconte que de la merde. Bah, pas sûr. Ou Eh. alors il y a peut-être une autre planche. Ouais. Parce Ouais. que ça se trouve, il y en a qui se. Ouais, Ah, mais attends. c'est pas le bon dessin. Attends, c'est quoi le dessin? C'est pas le bon dessin, il y a un pic qui va dans l'œil et Ah pas dans bah celui du dessin. elle est là, elle est là. Ici là. C'est exactement C'est où ça. ici, là? Là. Je suis Mais tire! descendu. Arrête de dire là! Insupportable les gens qui disent là! Là. Là. T'as tiré super loin, t'es passé où? Redescends par là où t'es arrivé en fait. Ah! C'est bon, c'est là. Quoi? Mais Ah, t'es là. non, mais c'est encore pas ça! Là, il y a un pic dans l'œil. Oh, Putain, j'ai pas de pic dans l'œil. t'es sûr? Ah. Attends.
Bah oui, c'est pas le même dessin. Ou alors c'est un mongolito. Moi j'arrête, hein. J'arrête. J'arrête de jouer. Je vais aller par là parce que je pense que c'est plutôt par ici. Bon. Voilà, c'est pas bon du coup parce que je pars. C'est plus du sable là. Ah, effectivement, les dessins sont pas les mêmes. Tu vois, là, je suis arrivé à un autre dessin et il a changé. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder au bon endroit. Ouais, c'est un tas de conneries ça. Je pense qu'il faut. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, c'est par rapport à la hauteur. Hein. D'après le dessin, c'est là où toi t'es. C'est pas là où moi je suis. Attends, c'est pas compliqué. Bah, franchement, voilà, c'est pas compliqué. On est là. On est là. On va partir à gauche. On arrive là. À droite. Par à droite, on arrive sur cette jolie pointe d'herbe. Là, on pénètre. Pénètre. Et là, on a un choix à faire. Du coup, on va tout droit. Et là, Mais c'est sur les rochers, hein. non. Et là, ça va être. Non, si. D'après la marque, c'est sur des rochers dans tous les cas. Et Je crois que je m'enfonce trop profondément. avec trop d'avidité. Ouais. Ils ont réveillé Diablo X9. Quel exploit. Ouais, d'accord. Bon, en gros, c'est Je pas du tout pense, là c'est bizarre quoi. parce que ça Enfin, ressemblait vachement je vais à là beaucoup où trop on était. loin. Ça ressemblait à là où on était. Mais c'est pas le bon dessin. Là, il y a une autre marque ici. Elle est sympa, elle est pas mal. Tiens, un coup de feu. Attends, je vais d'abord un coup de feu dans la tête de ce squelette. Et ma dernière balle. C'est pas ça non plus? Oh si, on a Il qu'à a un dire. pic qui ressort dans l'œil. Mais non, mais au pire on dit que c'est celle-là. Y a pas de. Mais sur le dessin aussi, y a un pic qui sort de l'œil, hein. Alors moi sur le logo qui est dessiné, non. Il a un pic qui sort du crâne, mais pas un pic qui sort de l'œil. Ah, moi je regardais le dessin sur la map, le logo sur la map. Alors, en fait, Ouais, les mais deux non, sont ils disent différents. Et sur le même sur le J'ai livre. reçu ma marque et elle est dessinée. Ouais, mais j'y peux rien, moi, sur... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, Moi, ça me sur le semble livre, c'est très des trucs qui est correct. dessiné comme ça. Et en plus, comment t'expliques qu'il y a différentes... Il y a différents logos. Avec qu'on... Il y en a qu'on n'a pas dans les yeux, il y en a qu'on n'a pas dans le crâne. Donc c'est qu'il doit y en avoir un... Moi. Écoute, j'ai un raisonnement logique. Moi, je pense que Ah, le jeu considère que je me suis fait la jambe là, ok. y a aucun problème. Ça doit être là. Il y a vraiment rien ici. Oh, mais je vais arrêter de boiter, moi. Ou alors je me mets tout en haut. Et je scrute avec la longue vue, je te dirai où aller, si je te le trouve de loin. Ouais, bah check. Bah pour l'instant là je peux pas parce que je boite. Mais ce sera avec grand plaisir de le faire quand je vois. Ah c'est bon. Parce que d'après la map, c'est plutôt dans les rochers, vers ici. Hein. Genre là, là où t'es, ce serait logique que ce soit là. Hein. Y a même C'est une à la marque fin sur du truc de l'épave, t'as vu? sable. Avant la pointe de l'épave, Ah il y a ouais. une marque. Il y en a partout, hein. Ta ta ta.
bizarre parce qu'on dirait vraiment que ça peut être ici. Non mais d'où le crâne, enfin. Bon, Et je puis vais j'ai monter du mal tout en haut à. et je vais te guider si je la trouve. J'ai du mal à voir un crâne quelque part, quoi. Voilà, pour moi c'était l'un des deux qu'on aurait dû trouver, mais le problème j'ai dit c'est qu'il correspond pas au dessin qui est sur le livre. Et je pense qu'il faut qu'on se réfère au dessin sur la page. Malgré que ce soit pas le même sur la couverture du bouquin. Parce que je pense que la couverture du bouquin, tous les joueurs ont une couverture universelle, alors que l'intérieur des pages, c'est aléatoire. Pour éviter justement d'avoir les solutions. Voilà. Après, j'ai facilement tendance à embrouiller les gens. Donc ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Tu m'embrouilles là. Non, mais c'est pile où je suis. Non, Terra, faut que tu regardes le dessin sur la map. Bah pourquoi il nous dessine un crâne alors en disant que faut aller voir sa marque et qu'en bas il dessine une marque? Ouais, c'est pile où je suis, mais. Je suis d'accord, c'est au bon endroit, mais c'est juste que ça correspond pas au dessin. Mais le crâne. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah puis de là où je suis, mec, je te cache pas que je vois juste bah, le dessin ôté et celui sur lequel on a été. Mais genre. Et un autre qui est là, ouais. Texte sous la map, c'est une aide. Pris au piège, mes sens s'affolent près d'une ancienne urne à même le sol. Bien vu, oui, c'est vrai. Une ancienne urne à même le sol. Donc il doit y avoir une cage. Ah! Oh! Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Oh là là. Faut mettre la cage et le et la vieille urne dans chacun des yeux. Viens voir si tu veux. Sur le caillou. Un petit suicide? Est-ce qu'on mange cette banane en tombant? Voilà. Genre là. T'as une cage à gauche et une vieille urne. J'avais pas vu cette phrase. Du coup, c'est Une cage à gauche et une vieille urne. là. Ouais, genre là. Ah, faut mettre les yeux dedans, Et ok. là. Putain, mais par contre, alors moi je suis désolé, encore une fois, j'ai envie de gueuler contre la quête, pourquoi on nous met un dessin en bas qui ne correspond pas à ce qu'on doit trouver? Ouais, je suis d'accord, ça a dû en erreur d'avoir deux dessins. Piège et trésor, je construis la première partie de notre accord et elle fournit le reste. La pierre que vous cherchez n'offrira qu'os fracturé et défaite cuisante. Vous voilà prévenu. Très bien, voici son emplacement. Comptant chaque ressource pour vaincre ce voyage périlleux, le dénouement approche à en croire mes yeux. Ah, c'est la même chose. Je vais mettre le crâne sur le bateau. C'est pareil, il faut trouver une marque, je pense. Et d'après la carte, je vois pas où ça peut être. Si c'est le navire qui est là. Non, c'est pas le navire qui est là. Ça correspond à quoi sur la map? En haut à gauche, c'est le navire échoué. On a exactement le même crâne, je te le confirme. Alors ça Ah, va. toi aussi il est en or? Hein. Ouais, crâne Eh ben, c'est recherché le meilleur sordide. Ils ont même le même nom. C'est crâne. quelque chose, ça. Ont-ils la même valeur? Je ne crois pas. Aha. Alors. Ok, là c'est un peu plus compliqué. Parce que là. Alors bien monter, Comptant c'est. chaque ressource pour vaincre ce voyage périlleux. Faut voir la pointe de l'épave. Ça pourrait être ça, hein, l'épave là. Il y a une autre épave? Non, c'est pas ça. Non, non, c'est bien ça avec la pointe là. Donc va falloir monter. Je vais me Et du catapulter. coup, le problème, c'est que c'est pas tout en haut. Ça m'a l'air d'être. D'après le schéma. Elle est où la pointe de l'épave? Attends. Je vais me catapulter là-haut. Si la pointe de l'épave, elle est ici. Ah, si, c'est tout en haut. C'est tout en haut. C'est limite sur la pointe, en fait. Oh, je me suis catapulté dessus, je crois. Incroyable ça! Mais c'est que c'est un bon jeu de merde! Eh bien!
Non, j'étais bloqué, j'étais un peu agacé. T'avais mis le canon parfaitement. Comptant chaque ressource pour vaincre ce voyage périlleux, le dénouement approche à en croire mes yeux. Alors, c'est pas clair. Lundi, c'est un peu vague. C'est un peu bof. Comptant chaque Comptant ressource. chaque ressource pour vaincre ce voyage périlleux. Ici, il y a des planches et un tonneau. Oh, j'ai envie d'aller le Oh bah tenter. c'est là! Ouais. Regarde! Tu tapes ici et là ça fait pack. Ouais, bien vu. C'est ça. Ensuite, j'aime bien cette quête. Si vous Oui, cherchez sympa. la pierre, vous devrez trouver la clé de mon atelier ici sur Plunder Valley, mais la porte qu'elle ouvre se trouve ailleurs. La clé de Sailor's Bounty va dans ces grottes où stagne l'eau. J'ai laissé une surprise pour vous. Oh, c'est toujours sur cette île qu'il faut trouver un truc, mais je sais pas pourquoi il parle de Sailor's Bounty. Faut y aller après, ça, notre boutique. Ouais, je Là, on a pense. la clé. Alors, cette fois-ci. Oh bah ça m'a tout l'air d'être une marque qu'on a trouvée tout à l'heure, ça. C'est là-bas. C'est la planche. Ouais. Fendant autrefois les cieux, la tête haute, aujourd'hui sous la terre, comme si j'étais en faute. Il y a une tombe. Une étoile filante. Je pense que c'est ici, mais. Fendant autrefois les cieux, la tête haute, aujourd'hui sous la terre, comme si j'étais en faute. Fendant autrefois les cieux, la tête haute. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire par là? C'est ici. Ah ouais, le ciel. Un peu plus devant toi. Là. Waouh, t'es pile dessus, mais je crois que c'est pas ça. Ça doit être pour un nain. Une autre version de la quête. La salope. Fendant autrefois les cieux. Alors, est-ce que j'en ai bien au bon endroit? On dirait. Hein. On dirait bien. Quoique. Autrefois les cieux. Est-ce qu'on est vraiment au bon endroit? C'est con parce que ça collait vraiment bien Ouais. le feu avec Ouais. Putain, ça collait vraiment bien cette merde. Sous la terre comme si j'étais en faute. Putain, en plus il fait nuit là, quelle galère. Il y a un cochon d'Inde. On le tue? Toujours pas? Ok. Pourtant, ça a l'air d'être à peu près ici par rapport à la carte. Hein. Vraiment, Ouais. je. Attends, et si en plus il y a des rochers derrière la planche où on était, c'est que c'est ici. Hein. Bah ouais, parce que ça montre cet endroit. Donc bon, fendant autrefois les cieux. Bah je vois. Je vais tenter ici, l'autre planche. C'est que là-bas? Ouais, et ici ça montre un oiseau. C'est un oiseau? Ouais. C'est un oiseau et un scarabée, c'est bizarre. Ouais. Bon, dans le doute, tente, hein. Tu me dis. Vas-y. Là. Là, vas-y, tape. Yes. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Clé du baril de poudre, mais qu'est-ce qui se C'est quoi passe? ce bruit là? Oh putain, c'est là-bas? Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque? Mais ça, non, ça arrive de plus en plus près. Oh putain, on se casse, on se casse! Il faut dans l'autre Oh la sens! vache! Oh putain, le sa mère! Putain! C'est beau, mais c'est dangereux aussi! Oh, Mais c'est c'est incroyable! extraordinaire, j'adore! Trop bien!
Wow! Alors là, Trop bien! c'est pas une quête d'enculé. C'est pas les mêmes gens qui ont fait la quête d'avant! Stylé. Cours, crétin! Va ta gueule, eh oh! Hey, la ferme! Cours, crétin. Ok. Sympa. Clé du baril de poudre. C'est une clé, ça? Comment ça, c'est... Enfin... Comment ça, clé? La clé de Sailor Bounty va dans ces grottes où stagne l'eau. J'ai laissé une surprise pour vous. Bon, on va à Sailor Mounty. Attends, je comprends pas, parce que t'as récupéré le tonneau? Ouais, mais ça s'appelle clé. Clé du tonneau, je sais pas quoi. Il y a une serrure là-dedans? Sailor's Bounty, c'est là. C'est loin, nique sa mère. C'est genre. Nord. Putain, c'est bien loin, hein? Du coup, il doit pouvoir exploser, c'est terrible. Faut qu'on fasse attention. Si vous cherchez la pierre, vous devrez trouver la clé de mon atelier ici sur Plunder. Mais non, la clé de mon atelier ici sur Plunder Valley. La clé de mon atelier. Ouais non, tirez pas, on a un tonneau explosif. Mais attends, ça m'inquiète, mec. La clé, elle est sur Plunder Valley. Ah non, d'accord, clé du Mec, baril c'est de chaud. poudre. Ça s'appelle le baril de poudre, s'appelle clé. Ok, c'est d'accord, c'est complètement con. Ouais, c'est ça. Je comprends pas. Si vous cherchez la pierre, vous devrez trouver la clé de mon atelier ici, sur Plunder Valley. Porte lourde, ça se trouve ailleurs. Ah d'accord, non, je comprends. En fait, la clé, d'accord, et la porte, ça doit certainement être un truc en pierre ou un infranchissable. Et quand tu fais exploser, ça ouvre la porte, quoi. Donc ils appellent ça une clé, genre c'est une blague un peu. D'accord, ok. Je suppose. Je vois, donc c'est La... des... Oui, bah oui, la clé de Sailor's Bounty va dans ces grottes où stagne l'eau. Ok, donc c'est une grosse blague, c'est des gros blagueurs en fait. En fait, c'est des gros déconneurs, les C'est gars. des gros déconneurs. Ils sont D'accord. là, ils passent leur temps à faire des vannes, quoi, Ouais, putain. ça marche, putain, c'est des ouf. C'est vraiment des ouf Personne des n'est à la fois. barre, tu le sais, hein. Ouais. Bon bah pêche alors. Et putain, mais ils visent trop bien les connards là. Ah Putain, putain, j'ai envie de j'en manger rigole encore un. en vrai, ils sont cons. Le fait que ce soit une. Ouais, je Bah, sais. ça c'est marrant. Enfin. La Bah, clé. Hey, c'est marrant, ouais. oh. Ça porte à confusion parce que c'est pas. Ça ressemble pas du tout à une C'est clé en pas fait. vraiment une clé en fait, mec. Enfin, ça c'est. Non. Ah, ils sont cons, putain. Ah, bah putain, au moins c'est bien parce que. C'est sérieux les quêtes, mais des fois tu te marres quoi. Donc ça c'est cool. On peut pas leur enlever ça. Ouais. C'est loin, hein. T'as le temps de pêcher 15 poissons. Si t'as pas un trophée, tu seras la honte de cet équipage. Mais là, il est phosphorescent, j'espère qu'il est rare. Ah, il a l'air bien. Attends, je regarde. Comment on sait s'il est rare? Bah. Moi c'est le chat qui me disait, mais. Oh, d'accord. Attends, mais il fait nuit ou... Non, il fait pas nuit. Ah si, je crois que ça comptait un peu comme la nuit, parce qu'on vient de sortir de la nuit. Du coup, t'as un phosphorescent. Un lunaire, je pense. C'est rare les lumières? Bah, pas tant que ça, vu que tu les as la nuit, quoi. Tu rigoles ou quoi? Regarde ça. Po po Popa, po. popa, Queue po. éclaboussante mousseuse. Allez! Putain, je suis rincé. Ça va, hein. Hyper rare celui-là. Wow, 5000 pièces d'or. Hyper rare. Il troll de ouf, c'est de la merde. Ils ont vraiment fait un système de pêche pour plus qu'on se fasse chier. Je vais te l'attraper ton poisson. Ce serait trop pratique que ça marche. Parce que techniquement, il arrêterait de bouger si tu lui mets une balle. Ah oh oui, faut pas le décrocher quoi mais. Tu veux de l'aide? Pour. Je sais pas, t'arrives pas à l'attraper. T'as besoin d'aide?
Sa mort? Il est chiant. Parce que moi, avec mon père, on a pêché. Parce que moi, donc, ouais, c'était avec mon papy, on pêchait. Et la première fois que j'ai attrapé un poisson, je l'ai envoyé dans un arbre. Quoi? Genre, j'ai tiré tellement fort pour le sortir que je l'ai envoyé dans l'arbre. Et du coup, la ligne était complètement enroulée dans une branche. Ah, tu l'as pas explosé violemment contre l'arbre? Non, dans l'arbre, dans les branches. Mais il a beaucoup souffert. Hein. Il a beaucoup souffert. Et ça, c'est important de le souligner. Du coup, j'ai vraiment aimé la pêche directement. Du coup, je les mettais tous dans l'arbre exprès. Et Moi, après, quand je je l'ai leur. pêché, j'osais à les écailler vivants. Ouais, tu leur arraches les. Des clés comme ça, Tu là. mets tes doigts dans les bronchies comme ça. Peut presque les entendre couiner. Ces petites merdes. Putain, mais j'ai pêché un vieux crâne. Qu'est-ce que j'en fous du vieux crâne? Ça se vend? T'as pêché un crâne? Oui. Mais non, c'est incroyable. Ça a pas l'air de se Ta vendre. gueule. Tu te fous de ma gueule ou pas? Bah ça a vraiment pas l'air de se vendre, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Non t'en mais as j'en pas ai pêché jamais toi trouvé. aussi. Bon, arrête. J'en ai jamais pêché donc. Ouais, autre, eh, oh. Une vieille chaussure. Je savais pas qu'il y Hyper rare, avait. vieux crâne. Hyper rare. Mais T'es oui, alors connard. c'est rare, mais est-ce que ça a de la valeur? Wow, il est légendaire, t'as trop de la chance, trop Mais il rare. te troll de ouf! Je sens que ça Hyper vaut trop rare, cher. crétin! Ça se vend? Ça vaut 10 gold. Ah, enfin un peu de vérité. Hyper rare, 10 gold. T'as. Est-ce que t'as. J'arrive pas à parler. Putain, la vache. J'ai plus envie. T'as cuit ton poisson ou pas? Pas encore, ça sert à quoi? Je sais pas, faire mastune. Bastune, c'est un youtubeur, ça. Mastune Batman. J'y ai pensé. En plus, j'étais en train de. En fait, depuis qu'on parlait plus, j'étais en mode. Comment la tourner? Comment tourner cette blague? Pour qu'elle soit vraiment très drôle. Comment faire? Ah, elle est bien, mais faut pas la gâcher. Oh! Il y a une épave! Attends, c'est une épave ou c'est juste l'île? Parce que si c'est une épave, on peut pêcher des sacrés poiscailles. Ah non, c'est une Arrête île. avec ça. Arrête, putain, ça vaut cher. Regarde, sur une épave, on peut pêcher un Sur une épave wrecker. de 1 à 10. Non, on peut pêcher un wrecker, ça c'est les poissons avec leur petite lanterne. Oui, des Et oui. Dans des mots. il faut leur donner des vers de terre. Tu verras si jamais c'est une épave. C'est pas une épave. Si c'est une épave. Si c'est une épave. Ok, alors là, et même que quand on va dans l'épave, on peut trouver des poissons déjà tout prêts. Tout pêché. On va le faire. Oh là là, on va tellement le faire. Oh là là. Pouah, ça va être lourd. Tu sens la hype? Je m'en bats les couilles. Ah bah tu devrais pas parce que. Et même dans les épaves, tu peux trouver du poulet et tout, hein. Ça t'excite pas le poulet. Alors Il y a là. ce poisson qui a 1 cm de moi, j'ai pas le droit de le pêcher. Là, tu mets des vers de terre. Pour l'instant, je vais avoir le poisson. Oh, j'ai qu'un ver de terre. Oh, il est gros, c'est un trophée! C'est un trophée, je crois. Attendez, c'est bien. C'est bien des vers de terre. Par contre, des vers de terre, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un, fais chier. Moi, j'en ai plein. Pour Ça, que pour ce soit approcher quoi? rare. C'est rare cette merde ou pas là? Ouais. Pour que ce soit rare, il faudrait que tu trouves. Attends, je vais te dire. Oh non! Oh! Oh ouais! Oh ouais! Ah ouais! C'est un wrecker ça? Je sais pas, mais c'est un C'est un trophée. Walkman? C'est un trophée en tout cas. Allez, on le prend. Peu importe, on verra. C'est pas celui que j'espérais, mais. Oh, il est Ok, gros le à moi. bâtard! T'as mis un ver de terre? Oui. Tu vas voir. Ça va être vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu vas t'amuser?
La chance. On se fait chier, non? Là, j'ai un truc violet Oh! dehors! Si, si, t'as le. Avec sa Ah lanterne, c'est oui! exactement celui-là. Et ils sont plus durs à pêcher, les rats? Un peu en général. C'est quoi ça? Il est beau! Nageoire d'abondance! Ça te dérange pas si je te le montre pendant que. T'as vu? Je veux pas! Il est beau! Ah, il est dur à pêcher le salaud. Nageoire d'abondance. Je vais aller dans l'épave. Chercher des trucs. Ramène-moi des trésors. Pas de problème. J'ai acheté un paquet de 500 grammes en plus. Alors, mais ça me fait pas une petite musique qui me dit oh là là, il y a trois naufrageurs de rose. Et bah voilà, Ok. on est. Putain, mais tout est vide! Ça a été looté ou quoi? Ça, c'est le naufrageur, d'accord. A été looté, c'est pas possible. Ah mais en plus il y a plusieurs poissons rares dans une seule catégorie. Oui, enfin il y a. Comment dire? Oh, des poissons! Pourquoi je peux pas les prendre? T'as plus de place? Ah, faut que je mange mes bananes. De toute façon, là Ah je peux oui, rester, j'ai du poulet et tout pour me heal. ça marche comme ça? Bah. Ouais, tu peux te heal sous l'eau avec du. Par contre, faut faire attention à pas manger les poissons. Il n'y a rien de spécial dans cette épave. Non, pas vraiment. Y a des poissons, tu dis? Y a de la viande de requin ici, mais. Ouais, j'ai trouvé deux poissons. Mais je crois que c'est tout, hein. Il est bof. J'ai pas checké laquelle du cap. Le truc du capitaine. Du goût d'un chier, alors. Le truc là. Je vais aller checker la cabine du colonel. Colonel. Hop! Qu'est-ce qu'on a? Écumeur des îles de pierre. Houle charbonneuse. Ok. Ok, bah rien de spécial. J'ai que des larves là, c'est chiant. J'ai rien trouvé, y a pas de trésor. Probablement déjà looté cet endroit. Ouais, on dirait. Bon, bah, je lève l'ancre. Oh là. Bah je vais cuire mes. Ah, on peut manger plusieurs bouts de requin? Ah, ça se mange en plusieurs fois. Pratique. Si à un Je fais cuire un moment. naufrageur de rose du coup. Ouais, Le poisson rare, fais tout cuire, d'accord. ouais. Et quand il devient bien doré. C'est ça, après le blanc. Putain, y a pas de 6 postes dans le coin. Si on en voit à un moment. Faut bien surveiller la cuisson. Ah, tu me le surcuis pas celui-là, hein. Oh, tu me retires pas les écales, c'est meilleur! Quand il a les yeux blancs. Quand il a les yeux blancs. Non. Oui, c'est juste. Il est blanc, après il est doré, quoi. Ah, vous Alors avez là. raison, c'est celui qui devient blanc. Ouais, genre. Ouais. Ouais, tu l'as un Ah, peu. ouais, ils ont eu raison. Tu l'as un peu sous-cuit, mais. Quoi? Moi, je le fais Il dorer m'a un peu cuit. plus en général. J'ai peur qu'il crame là. Non, non, arrête, arrête, il était bien. Bah pourquoi tu dis ça? Ouais, Ta genre un gueule! tout petit peu plus, quoi. Genre, pas besoin. Ouais, tu devrais le faire un peu plus cuire là parce que ça va peser après. Ah, c'est. Ouais, ça va pas là. Pourquoi vous dites des chiffres dans le chat, des nombres? Crétin. On est toujours dans la bonne direction en fait. Ça va.
J'ai envie de m'exploser la panse. Oh bah moi ça va être le cas. J'ai du poulet mariné miel citron. Oh, ça, avec c'est pas toi qui l'a fait ça. Non, c'était au marché. Avec de la crème et du riz basmati là, ça va se mettre lourd. Oh la poulet riz déjà de base. Je vais avoir une méga chiasse mais ça va partir sur un vrai repas qui fait plaisir. Bah tu vas quand même pouvoir capitaliser sur le riz qui va pouvoir servir de ciment. Ah ouais ça va, ça, je peux m'en sortir. Je peux m'en sortir. Tes chances, au pire je saupoudre un peu de smecta sur mon poulet. Si c'était du sel. On est loin là? Non mais. Mais il faut que je tourne la voile en fait. Oui, il est beau ce poisson là, je pense qu'il est super rare. On va retirer le submode, mais juste. J'aimerais juste comprendre pourquoi ils disent des nombres quoi. C'est pas drôle le submode. Eh ben, devine ce que j'ai pêché. C'est quoi? Oh, c'est le pire! De rubis. C'est le pire, c'est le premier de tous les poissons! Il s'appelle Ruby. Malheureusement, c'est. Non, c'est un bon truc. C'est v'là stylé. C'est v'là stylé ce que t'as pêché. Ah, mais j'ai un trophée! Écumeur des îles de pierre, trophée. Ah! Attends, lequel? Celui que tu cuis là? Non, c'est que j'ai dans les mains. Ouais, je vais le cuire là. Oh, c'est bien ça. Alors que l'autre avec Salucia, ça ne dit pas que c'est un trophée. Non, parce qu'il était pas gros. Celui-là, c'est juste que c'est un gros. C'est une version gros. Ah, donc gros égale trophée? Ouais. Gros égale argent? Exactement. Putain. On est presque arrivé. 64 mois de sub. Ok, respect. Je m'incline. Ça fait 2 ans, c'est ouf. C'est ouf, hein. C'est qui a eu 64 mois? Coco. Bah, mon salaud. Putain, on lui a volé tellement d'argent. T'as c'est... compté combien ça faisait 64 mois? C'est lourd. Ça fait des thunes, hein. Putain. Ça fait des thunasses, hein. Tout ça dans les poches de Bibi. Les grottes où stagne l'eau. D'accord. Ça a du mal à cuire, les gros, hein. C'est long, ouais. Oh, il y a peut-être des appâts dans ces tonneaux là. Nickel. T'as tiré là? Je suis vraiment un connard. Oh là, oh là, oh là! En fait, j'ai mis ce clic. J'ai arrêté le l'encre. Mais bon. Pas de casse, hein, y a pas de casse. Pas de problème. Bon, c'est résolu ce problème. C'est bon. On a plus qu'à trouver les. Dans les grottes. Les grottes. Faut marcher dans la grotte. Ah, merde. Saut du pied gauche, c'est rot. Le marin fortuné. Il y a un coffre ici. Oh. Oh, il est vide. Oh. Il brille comme ça, il est vide? Ouais. Bah, du coup, je le prends pas. Bah, si il est vide, non. Oh, tu peux peut-être revendre le bois. Oh putain, il y a un navire. Ah non. C'est un navire pirate. Ah, regarde, en fait il y avait un truc dedans, je te le prends, ok. Regarde, il y a un truc nul, regarde. Pranké. Mais c'est nul comme blague. Ouais. Ça reste une blague. Et alors en fait là, il y avait rien dedans. Mais j'ai fait le tour de l'île, il y avait pas de grotte. Oh merde. Ça devient nul ce live. Ah c'est bon, c'est ici. Bah barre-toi, crétin. Faut ramener le tonneau,
Faut... Vas-y, viens au milieu de l'île, il y a des grottes en profondeur. Oh, il y a des pièges et tout, viens! C'est incroyable! Oh putain! Attends, je reviens avec toi. Alors attends, je vais chercher le... On va chercher le baril. Baril white. Quelques white, quelques blancos. Ça manque de dérapage en ce moment dans le monde politique. Bon, on a eu Ils Monsieur savent Collard. maintenant. Ah mais Collard, oui, mais c'est Collard, c'est la... C'est c'est le différent. fraté, Collard. Collard, il s'en fout, lui. Là, ici, là. Hop. Alors, attention, parce que comme Oh tu peux le là! constater, C'est incroyable! vas-y, je te laisse passer avec le baril. En plus, il peut exploser, c'est incroyable! Ah, il y a des... Help me! Attention, faut pas taper dedans! C'est dangereux de tirer à côté d'un baril explosif, je suppose. À toi. Il y a d'autres pièges là ou pas? Oh! Oh putain, ça va vite. Il a un certain rythme. Oh la vache! Aïe! Je suis Et mort. lui, il se l'est pris, connard! Ça one shot, hein. Bon bah je ferai pas la quête, tant pis. Bah j'ai compris. J'ai un peu rushé comme un gogol. Là où stagne l'eau, donc je suppose qu'il faut aller le plus profond possible. Ça dit, regarde dans la quête, ça dit, il faut être deux obligatoirement pour faire cette quête. C'est écrit là. Attends, mais je reviens en arrière là, non? Ouais. C'est... Tant que t'as pas ton coéquipier, c'est une spirale Ah. infernale. Je devrais peut-être regarder la... Si vous cherchez la pierre, vous devrez trouver la clé de mon atelier ici, sur Plunder Valley. Mais la porte, qu'elle ouvre, se trouve ailleurs. Laisse un vous motif dans ces grottes où stagne l'eau. J'ai laissé une surprise pour vous. Stagne l'eau. Où est-ce que l'eau est stagne? Il fait noir, je vois rien du tout. J'ai failli mourir. Putain, je savais pas qu'il y avait un dernier piège. Waouh. Non, ici c'est très joli, mais est-ce que l'eau est stagne ici? L'eau, elle stagne ici. Parce que là il y a de l'eau qui stagne ici, mais bon. Waouh, c'est beau, Mazette. Ouais, Ouais, c'est mais grand en fait. elle stagne pas forcément. Là, elle est en mouvement. Tu peux m'éclairer avec une... Voilà. Parce que, regarde, suis le chemin. Parce que ça va jusqu'à là-bas. Là, tu vois l'eau, elle stagne ici. Et il y avait cet endroit-là. Et j'avais l'impression que ça pouvait être ici puisque ça continue. Alors, est-ce qu'on fait péter le baril ici? Imagine, on le fait péter au mauvais endroit. Mais on dirait pas qu'on peut continuer par là, parce que l'eau elle stagne ici. Vas-y, tire. Non, 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 Surtout pas. nope, non. Bah, Bah ça stagne. éclaire-moi et montre-moi de l'eau qui stagne. Je crois qu'il faut monter ici. Ah non, sûrement Bah je pas. sais pas, parce que est-ce qu'on... C'est un autre piège ici, hein. Ouais, parce que ça referait une épreuve, ce serait logique. Oh putain! Attends, t'es pas en train de passer là. Je suis passé! Oh! Oh non! Qu'on fait tout ça pour rien. Attends, on est revenu en arrière? Il y a plus d'eau. On est revenu en arrière. On va devoir refaire les pièges
Excellent. Putain de. Ouais, je cours, j'ai pas le temps. Hop, 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 Attends, ceux-là ils sont simples, après c'est moins simple. Où stagne l'eau? Ici, il y a de l'eau qui stagne, mais bon. Tu vois un truc qui s'apparente à une porte qu'il faudrait faire péter, toi? Attends. On peut descendre ici, je crois. Oh, il y a des pièges ici. Près de la cascade là. Attends, t'es où? Je peux passer par là, moi. Oh là. Attention. Il faut faire attention. Oh là là. Où est-ce que l'eau stagne? Pitié, montrez-moi une flaque. Ah, la musique a changé. Oh, un repère pirate. Ah, un présentoir. Oh là! Oh! Hey, arrêtez! J'ai envie de tirer sur ce truc au milieu là. Tiens, tiens, un moulinet, un mécanisme. Vas-y, bats-toi, hein, je regarde. Ouais, je me bats. Ouais. Voilà. Pas la mort, pas la mort. Putain encore. Ah, le one shot là. Arrêtez! Eh ben. Putain, mais bordel. Quelqu'un qui a dit, ils savent que c'est infini. Ah bon? Faut qu'on utilise notre. Faut qu'on tire sur le tonneau. Marche pas. Ah, y'a un levier. J'ai appuyé sur le levier. Ah, c'est un piège, ok. Ah, ok. Ah, j'étais dans le piège! Putain! Oh, c'était pas prévu, hein!
Oh, je suis. Ah, je suis mort aussi. Oh. Non. Apparemment, c'était fake, en plus, c'était même pas infini. Putain. Crétin. Chier. J'aurais fait la même chose, mais bon. Crétin de touc. Merde. Attends, pour faire tous les pièges du coup. Ah non, les pièges sont désactivés. Ah ouais? Bah ils ont su qu'il y avait des merdes comme nous pour mourir. Ils sont pas désactivés. Ils sont pas désactivés? En gros, les pièges bougeaient pas. Et au moment où je passe. Attends, t'es Putain! encore mort, crétin? Mais oui! Mais en même temps, il n'y avait pas de piège, il n'y avait rien. Du coup, je cours. Et là, il y a un piège qui sort, quoi. C'est vraiment Mais critique ce putain de jeu-là. merde! C'est ridicule, c'est trop bizarre ce qui s'est passé. Oh, alors là, ça m'énerve. Je sais même plus où faut aller. Ah ouais. Ils sont désactivés. Attention crétin, hein, on va pas. Oh, t'es mort! Allez hop! Crétin! Oh, le gros crétin! Oh, y'a un cochon qui est dans les pièges! Il est perdu! Putain, faut vraiment être un crétin pour tomber dans ce genre de piège! Oh putain, le crétin que je suis là. Excellent! Terra, tes poissons m'aider sur le bateau. Non, là, qui veulent les voler. Ah, sérieux? Tu les as même pas mis! C'est scandaleux! Faut tout recommencer là? Sûrement. Bon, poussez-vous les crétins là. Du coup, on fait attention aux pièges, on reste chacun un levier et on bouge pas. Mais attends, quand t'actives un levier, ça active absolument toute la ligne. Non, de non, gauche il y à a deux droite. lignes. Bah, dans ce cas-là, tu t'es pris le piège tout seul parce que quand Non, t'as non. activé le levier, moi j'étais du côté gauche. Oui, et toi, non, t'es mais du côté droit. j'étais du côté du piège que t'as activé, voilà tout. Ah, tu es donc crétin! Non! Pas du tout! Putain, mais sortez des pièges avant! Pourquoi y'a un cochon dans la Oh, y'a cave? le capitaine! Ah bah voilà, bah fallait pas tout recommencer du coup. Attention les pièges, j'active. Moi aussi.
Attention, bouge pas. Non, non, non. Putain de merde de con. T'es allé vers le piège. Faut pas bouger des leviers. Putain. Touche à rien. Bah c'est bon, c'est fini. C'est bon, je le ramène. Putain. Crétin. Crétin, toi-même. Lis bouquin. Vous êtes bien courageux de vous aventurer dans mon atelier. J'espère que les amis de Sir Gimji n'ont pas été trop durs. Cherchez la marque de la lune pour trouver la pierre dans le cache de... Je vois plus, attends, je suis en train de réapparaître. Alors, Crétinus. Oh, je tourne toutes les pages. Cherchez la marque de la lune pour trouver la pierre dans la cache de Crescent Island. Wow. Crescent Island. Crescent. Et du coup, le tonneau, il servait à quoi? Je sais pas, à démarrer l'événement. Non mais... C'est quoi de mon con? Je t'en pose des questions. Oh. Il en a des questions, lui. Il est d'un curieux. Island, c'est où, là? Crescent Island. Oh putain, la Chicken Island, elle me donne trop faim. La Chicken Island avec un peu de crème. La Chicken Island avec la mayo, là. Un délice. Crescent Island. Je la trouve pas? Ah, c'est bon. Hop, put. Et on est... Ok, ça va. Le coffre. Quoi? Quel coffre? Il te troll. J'hésite à y aller là. Il te troll. J'ai un totem là, mais... Pourquoi veux-tu que je récupère et un coffre? Il y aurait quoi dans ce coffre? Je sais pas, c'est bizarre. Vas-y, je vais déposer le totem, mais... Bon, ok, je vais voir s'il y a un coffre. On va voir s'il y a un coffre. Moi, je vais voir où on doit aller. J'ai déjà piné l'endroit. Le coffre, c'était la clé. Si vous êtes sérieux, si vraiment vous vous confondez le... Je vais vous enculer. Hein. Qui aimerait se faire enculer par l'un que moi, perso? Oh, moi. Crescent Thailand. Est-ce que j'y retourne pour rien là? C'est où Crescent Island? Mais je l'ai piné! Non. Si, à gauche! Ah ouais. Insupportable! Alors. Un coffre? Pas de coffre. Bah, et ça va déclencher une musique et c'est tout. Là, qu'il n'y a pas de coffre. Vous êtes insupportable. Je vais vous enculer. Ils ont juste fait tout ça pour que tu les encules. J'espère que tous ceux qu'on dit coffre, vous avez honte. Vous dites rien, mais vous avez honte, j'espère. J'espère que vous souffrez. Ils sont fiers. Vous méritez la mort. Sur l'estrade, Terra. Quelle estrade? Non, non, mais cherche pas, il troll, viens, on se casse là. Casse-toi sans moi. Ok. S'il y a un coffre, je le trouverai. On, quoi, on. On est si... On est 8800, tu vas avoir le gland en feu.
Ah, ça me fait rire. I'm a simple man. Putain, il y avait vraiment aucun coffre, il y Y'a avait rien à que faire. dalle. Bah, Que je me dalle. suicide. Voilà tout. Vous êtes vraiment une bande de cons. Bah, il s'attend de pêcher un petit poisson là, je pense. Tiens, le Bitcoin a augmenté de 10% ces dernières 24 heures, tu le savais? Pas du tout. Bah, tu vois, on en apprend tous les jours. Si un jour vous voyez le Bitcoin descendre de 50%, pensez à Damien. Je l'ai pas mis dans le Bitcoin. Dans l'autre truc là. Il y en a plein! Pas le Bitcoin, l'autre là! C'est de la merde ce poisson, j'en veux même pas. Tu sais qu'on arrive là, t'as pas le temps de ça. Oh, si t'as le temps. Je crois que j'ai le temps. Pêche donc. T'es pas en train de pêcher aussi quand même. Suis en autopilote. Ah d'accord. Ça mord pas. T'as suffisamment de poissons comme ça. Oh! Spoils Quoi? of Plenty Store. On pourrait pas vendre les poissons ici? Là, Vas-y. là. Parfait ça. C'est pas marqué C'est 6 un postes, mais je crois que ça vendeur marche. de Hein. poissons, ça? Mais Bah faut les faire cuire pour ça. ouais. Bah dans le tonneau, tout est cuit. Hein. Après, si t'as pas voulu me donner les poissons, ton problème. Super sympa. Moi, ils sont pas cuits encore, mes poissons. Déjà, dis-moi si ça peut se vendre. Ça ressemble exactement à l'endroit où on les vend en tout cas. Je vais tester. Oh, celui-là il est pas cuit. Bah, va vendre les cuits déjà pour tester. Parce que le temps que le mien cuise, là, t'as le temps. Attends, je vais replacer celui-là, sinon je vais le vendre, hein. Je le sais. Alors. Tu Des prends yeux ça? blancs là. Tu prends. Ah, pourquoi on s'est séparé en 15? Ah, c'est. Ok, c'est ce que ça a valu tout ce que t'as fait. Ouais, c'est tous les Plus la poissons que j'ai mort. donnés. Attends, on n'a pas donné les. Non, en vrai, on n'a pas beaucoup de rares là. En même temps, on n'est pas allé dans les endroits où il y a des rares. C'est pas. Attends, je vais t'en. Tu vas voir, moi je vais. 75, 130. C'est une blague, 135 le rare? J'en avais eu un à 1000 quand même. 190, mais ça vaut rien. C'est quoi lui, je le vends sans le faire cuire. Je vais récupérer 20 balles. Celui-là, là, je sens que j'ai beaucoup d'espoir en lui. Non, il est nul. Et ben, je suis pas mal déçu de ce résultat. Bah, il Je faut. m'attendais vraiment à quelque chose Il faut d'exceptionnel et tu m'as aller. vendu du rêve. Il faut aller sur des vrais. Des vrais endroits, quoi. Putain, c'est Et la long. viande de requin, ça coûte cher? Ou bof? Je sais pas. Plutôt bof? Le vieux crâne, on peut pas le vendre ici, je pense. Attendez, je vais quand même regarder. Ce serait sympa de pouvoir vendre des. Un truc ici, là. Il est long! Mais il est si beau. Imagine un jeu de ouf où tu vends, tu trouves des trésors, tu trouves des trucs rares avec et ça te donne de l'argent réel. Oh, mais comment ce serait possible? Ça, c'est pas encore, mais imagine. Mais c'est pas possible! Ce serait pas ouf. Mais si. Ce serait dingue. J'adorerais ça.
Allez, Tout le monde combien en là? aurait ça. Ça s'appelle le travail. 3. Eh oh connard. 375, c'est pas mal. C'est pas mal, mais tu m'as vendu des 1000. Tu m'as vendu des 1000, ça marche pas. Ouais, mais le 1000 apparemment que j'avais trouvé, c'était genre une chance sur 3000. C'était un truc de ouf. Mel. Mel. Sur Mel. Chance sur 3 merdes. Sur 3 Mel. Ah, dis donc, faut pas être pressé, hein. Pas rapide. C'est long à cuire, la viande de requin là. Gang de requins. Ah, trop bien le film Gang de requins. Oui, le avec vieux... Will Smith. Le vieux crâne. Pff, ouais, nique sa mère, c'est 10 PO. Bah, vas-y, oh. T'en sais Bon. rien, hein. Je vais pas aller. À... Bon, allez, je vais aller à la nage là-bas. Moi, je vais vendre mon requin cuit. Ah non, t'es loin. Putain, c'est loin. Attends, mais t'es toujours. Ouais, t'es sur le bateau. Ok. Oui. Pars pas du bateau parce Comment? que. Le bateau il vogue là tout seul. Attends, t'es parti? De quoi? T'es parti du bateau? Mais non. Non, pff, attends, j'ai eu peur. Hein. Me suis imaginé qu'il voguait tout seul. Mais genre, je fais le trajet pour 10. 10 Ouais. pièces d'or. Ah, les bâtards, putain. Attends, attends, y'a un bateau pirate garé sur. Ah non, c'est pas un bateau pirate! Thomas, y a un bateau de quelqu'un! Oh non. Il est garé en plus, il est garé sur l'île! Oh non, c'est chiant. Parce qu'on Qu'est-ce a qu'on on a fait? un totem sur nous en plus, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Je Faut, fais faudrait demi-tour! essayer de bien cacher le totem sur Quoi? Mais sur quoi? sur le bateau, essayer de bien le cacher, je sais pas. Mais il est où ton totem? En bas, devant la carte, je sais pas. Je sais pas. Je me gare, t'es sûr? Faudrait. Je sens qu'ils vont nous agresser, putain. Bah, je me gare, mais bon, je suis de l'autre côté. Et ils vont me voir, quoi. Combien? 10. Ouais, mais regarde. Putain. Je sais pas. Ah, chasseur de butin. Ah non, ça donne un truc, hein. Ça nous a donné de la réputation. Ah, bah alors. C'est genre, il y a un objectif chaussure avec des objets de merde. Ok. Alors, faut faire quoi sur cette île? Oh, par contre, ils sont pas tous vides les coffres, hein. Attends, faut que je le ramène sur la J'espère que plage. les amis de Brixie n'ont pas été trop durs. Cherchez la marque de la lune pour trouver la pierre dans la cache. Attends, attends, je ramène ça. Ok. Je sais pas combien ça vaut, mais le crâne il est violet. Oh. Je le mets dans l'eau. On va le chercher après. Alors, c'est quoi la... Qu'est-ce qu'il nous Une raconte? marque de lune. Où ça? Je sais pas. Vous êtes bien courageux, vous avez cherché la marque de la lune pour trouver la pierre dans laquelle sur le prochain arrive. La marque de la lune? La marque de la lune. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par la lune? Ça veut rien dire, la lune. Caisse de bouteilles de rhum. Oh. Ah ouais? Livrée à Wendy à l'avant-poste Sanctuary. Bah, nique Et ta une mère. bouteille de rhum. Et une bouteille de rhum. Mais ils sont partis des mecs qui s'étaient arrêtés là? Je vois plus leur navire. Oui, je Et crois qu'ils sont barrés. jambes de bois et pipe de je sais pas quoi. Pipe de jambes. Pipe Là de là jambes là. de bois. Et ben ils sont partis. On n'a plus rien à craindre de ces brigands. Nice. La marque de la La lune. La marque marque de sous la moule. lune. La marque sous la moule. Cherchez la. Frotte De la ton lune. sac. Je vous salue, pirate. Agissez Ah, pour la c'est une gouvernance marque de de l'argent. lune, ça! Mais est-ce qu'il a trouvé avec Full Luck, lui? Vous lui avez donné la solution, quoi, là? Oh! Il est sur une Oh! île super grande, il a aucun indice. Et, oh, bah, tiens, je veux pas des chances sur une marque de Oh lune. non, il faut le totem! Oh, le totem! Oh là là, le Et où est-ce qu'elle est totem! ta marque de lune? Ouais, je te le dirai pas, voilà. Deux oh. C'est dans une grotte. Il y a une grotte! N'empêche, j'ai eu full luck. Ouais, c'est ça. Quel talent.
On va chercher le totem. Totem. C'est quoi qui brille dans l'eau? T'as quand même pas. J'avais pas envie de le ramener jusqu'à la berge. Putain, il s'est arrêté! C'est quand même scandaleux! Je cherche la marque de la lune. Ok. Anark Sunamun. On y voit comme dans le cul d'une poule, hein. Ouais. La marque de la lune. Exactement. La marque de la lune. Tiens, tiens, tiens. Indice, il y a même trois lunes. Bah, mais connard, je les ai devant. Et autour, il y a des étoiles si tu galères toujours. Par contre, là, tu mens. Y a des petites étoiles autour des lunes. Ah oui, ok. Je regardais tout autour de moi en me disant waouh, ils ont fait une Oh constellation. là. Tintin, tintin, tintin. Bon, on t'attend là en fait, c'était un peu long, je trouve. La 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 Hey! Hey! Wouah! C'est exactement la même salle, ils l'ont Waouh, ils copié-collé. sont pas fait chier, mec. T'as nous Wouah! en fait un truc entier. Ils sont trop Waouh, forts! les mecs sont chauds. Waouh! Je vous salue, pirate, mais écoutez bien en avertissement. Agissez pour la gloire, pas pour l'argent. Je m'avoue vaincu, je n'ai plus un seul tour dans mon sac. Ouah! Bah, on va faire comme d'hab, hein. Ouais! On devrait réfléchir avant de le faire, non? Voilà. Voilà comment on réfléchit. Attends, déjà. Ah, C'est bon. caisse. Il y a des bananes. C'est mauvais signe. Quoi? Oh, il tient la pierre du Shroud Breaker. Eh, t'es Ah, où? par contre, on est enfermé. Solution. Alors, je la laisse devant la porte. Ah, bonjour. Oh là, vous êtes très shiny là, vous êtes beau, vous êtes. Captain of the Vault! On dirait un défilé de mode. Waouh! Médaillon! J'ai un médaillon de lune! Placez médaillon! Mais je sais pas encore dans quel sens faut le placer, moi! Vas-y, place-le. Ah, ça se fait tout seul! Wow. Wow, capitaine. Médaillon de lune! Wow. Oh. C'est un truc de ouf. Oh, ouais, place-le. Ouais. Wow. Encore? Allez, encore. Bah, la pierre de Shroudbreaker, on n'est pas censé la mettre quelque part? Je sais pas. Voilà. Attention derrière toi, le Guardian of the Stone. Oh. Médaillon de lune! C'est bon! Oh, c'est ouvert. Je prends Oh, la pierre et du Shroudbreaker. d'accord. Et ça, non, on n'a rien à prendre. Oh, j'aurais bien aimé avoir un truc. Il y a de l'or? Wow. Oh. Wow, man. Attends, man. Ils se sont donnés cette fois. Laisse tirer une latte par contre. Oh. Et qu'est-ce qu'on fait de cette pierre de merde? On la rapporte au perroquet. Pff, sérieux? Bah oui, il la veut. C'est un décevant. Putain. Ce serait bien qu'on ait des petits canons portatifs. On pourrait les placer sur l'île et s'éjecter. C'est pas très écolo de laisser des canons sur les îles. Hein. C'est vrai ça. Tout ça pour ton petit confort. Sale blanc. Sale blanc. Gratuit. Alors, sale blanc. T'as pas Il est honte? sur quelle île l'autre con?
Faut vraiment retourner au putain Bah de oui, faut aller voir le connard là. perroquet. Bah c'est sûr. Pas Plunder. Bah si, c'est Plunder Valley. Non. Si. Non? Si. Si. Nord? Direction sud-est, pas du tout. N'importe quoi. Ah, on va bien pêcher. Oh là, si on touche pas le fond, je m'appelle Bertrand. Ouais, mais c'est bon. T'inquiète. Bertrand. Ouais. Ce serait pas Je un m'appelle trophée Bertrand. ça que tu... Non, c'est tout petit ça. Ça, c'est un petit bestiau, ça, c'est que dalle. C'est de la gnagnotte. Je demande au bout de combien de prises on a un trophée. Putain, qui a envie de manger des frites dans le chat là? Oh, ça fait 2 jours que je mange des frites, j'ai plus du tout envie de frites là. 2 jours tu manges des frites de suite? Ouais. Mon salaud. C'est de la merde ce poisson. Eh mec, t'as oublié de faire une story pour Burger King? Oh merde, putain, j'ai... Ouais. My bad. Ouais, j'ai oublié aussi, ça arrive. Je l'avais déjà mangé, je me suis dit... Oh. Oups. Moi, il est arrivé, j'ai fait. J'ai pas faim. Ok, mais j'ai pas J'avais faim. mangé du coup. Tu l'as pas mangé? J'ai retiré le steak et je l'ai donné à ma meuf. Tiens, un steak. Non, justement. T'as acheté le steak comme ça. Tout Tiens. sauf le steak. Ah, d'accord. Mec qui retire le steak, il se fait un petit steak riz. Hop. T'as pas compris le principe, merde. J'ai la flemme de me faire des steaks, du coup je commande des burgers. Et je mange rien. Malin. Et du coup, t'as vu quelqu'un faire une story à propos de ça? Ça me dit rien. J'ai vu personne le faire. Bah c'était un peu light. C'était aucun intérêt. Il aurait fallu faire un petit truc un peu plus Bah, personnalisé il fallait faire ou... un truc perso! Ouais. Un truc qui sort du commun! Ah, il est nul ce poisson, j'en veux pas. Y a full tonneau. Oh, je vais essayer d'en choper un quand même. Un tonneau? Je suis le pire... Je suis le pire joueur de harpon. Putain, il est nul hein! Allez, celui-là, je l'ai. Bon. En vrai, je ne touche jamais au harpon. C'est incroyable. Je suis une grosse merde. Il est nul ton poisson. Mais fils de pute de poisson de merde, t'es juste devant là! Mais ça se voit que ça rapporte rien comme poisson, ça. Ça te fait de la répute. Mais que dalle! Oh. Oh, il est nul, j'en veux même pas. Pourri ce poisson. Je voulais me faire les rejetis là qu'on nous a passés. Ah oui. Et alors? J'ai ouvert le sachet. Ouais. Bah, je suis un fils de pute si je faisais cuire ça et que je le mangeais après. C'est dégueulasse. Ça a l'air dégueu. Ça avait l'air dégueulasse. Ça avait vraiment genre en mode tu manges, tu vomis. Oh. Je pense que ça sent qu'il doit se manger, à mon avis, fait maison. Mais certainement pas dans ce sens comme ça. C'est genre. C'était un genre de marque-pouce. C'était un genre de truc dégueu. De toute façon, c'était blanchâtre. En croûte de pâté, c'était
Parce que, on Dégueulasse. vous expliquait, une abonnée qui nous a ramené des rosti en sachet, mais genre un truc que tu fais toi-même. Et genre, dès l'emballage, on a eu des doutes quoi, c'était vraiment C'était la bof. marque semi-gros là. Non, comment ça... Ah, comment s'appelle la marque là? Je sais plus. Sais pas. C'est un truc suisse. Bah les Suisses, c'est dégueulasse vos trucs. Les Suisses, vous êtes des Si vous porcs. mangez ça, vous êtes des gros Semi-gros. porcs. Ah oui, c'est pas semi-gros, c'est migros. Mais semi-gros. Oh non, non, Thomas. Oh putain, On allez. avait pas assez de boulets là, pour le tuer. On a 54 boulets. Et moi, mon poisson, il se noie dans la marée noire. Allez, je commence. La dernière fois, on l'a tué vite en vrai. Mec, il pêche ses poissons pendant que j'ai un crack. Vas-y, t'embête pas. T'embête Alors. pas. Faut pas se laisser aller. Hein. Oh là, non, il va taper! Ah Je l'enculé, suis putain. réparé. Ok, je continue à tirer. Oh putain, quand on con, quand il tape, il fait plusieurs trous, hein. Ah, y'a un autre navire. Putain, ils vont nous faire chier ou pas? J'espère pas. On a quoi là sur le navire? Ah, on a la pierre du Schrottbreaker. Bon, on a fini la quête en fait. Ah ouais, ce serait dommage que ça se stoppe maintenant là. Ah, ils vont nous prendre le loot au pire, tu vois. C'est sûr, ils vont se battre pour le loot en fait. Oh bah je leur laisse moi. Ouais, au pire. Ils viennent sur nous là? Ou ils se barrent? Pas vraiment, non. J'ai pas l'impression. Vas-y, t'es dead là. Il est dead déjà? Ah ouais, y a du stuff là-bas. Viens, on jette l'ancre. Toi, vas-y, moi je surveille qu'ils viennent pas nous casser les couilles. J'y vais, mais y a Ah deux non, attends, y a trucs. du stuff là-bas. Putain, j'ai envie d'y aller. Attends, j'ai cru voir un truc briller Y a un là-bas. fat coffre. Et une caisse d'épices rouge. Et un coffre qui pleure aussi, il est où? C'est celui que j'ai? Ah, c'est peut-être celui que j'ai dans les mains, je peux checker. Ah, je me disais bien que je voyais un truc briller là-bas. Ah, ils nous ont juste aidé en fait, ils ont balancé des boulets et ils sont partis. T'es sûr? Ouais, je crois que c'est. Putain, j'ai le coffre qui chiale. Je crois pas en l'amitié franco-suisse, moi, donc à mon avis, ils nous ont pas que aidé. Attends, c'est où l'autre stuff là? Putain, je le vois plus. Ah, si. Moi, j'ai un crâne. J'ai un crâne cendré. Faire attention au coffre, je pense qu'il est en train un peu d'inonder là. Ah oui, ça coule là. Ah, j'aurais Oh pas dû. putain, la flotte dans la cale! Oh! J'aurais pas dû partir, putain. Désolé. On est à deux doigts de tout perdre. Putain, ça aurait été incroyable. Vas-y, Jacob, toi, va chercher le reste. Bah là, j'ai pris la caisse de soie. Le crâne, tu l'as Monte en pris. haut du mât, vérifie qu'il n'y a rien. Oh, il est stylé le crâne. On aille vite vendre. Pourquoi t'as ramené le coffre que j'avais mis dans l'eau? Je sais pas, il y avait pas le crâne dedans, il y avait pas un crâne dedans, t'avais dit? Non, j'avais menti. Oh, tu casses les couilles, putain. C'était pour que tu l'ouvres et que tu te rendes compte qu'il n'y avait rien Ah dedans. putain, j'ai même pas Pour checké que je te quoi. dise enquête. Ah merde. Bah prank-aid au final. Hein. Comme dirait Morsay, la vengeance est un plat qui se mange tout de suite. Ah c'est beau, c'est vraiment lui qui a dit ça. Je Ah trouve oui, ça c'est de super lui. beau. Bon, ils sont gentils les mecs. Hein. Bah, ils sont très gentils s'ils nous attaquent pas.
On en a fait qu'une bouchée de ce kraken. Bonne bouchée. Ça m'a donné faim la bouchée. Oh, je veux des petites bouchées là. Je veux des rouleaux saucisses dans une pâte feuilletée là. En fait, j'ai changé de programme. On va manger des paupiettes de veau. C'est trop bon, mec, t'es un ouf. C'est en gros, c'est du veau entouré par avec du lard. C'est trop bon. J'accepte pas les gens qui mangent du veau. Oh ouais, d'accord. Alors là, on va arrêter de parler tout de suite. Sauf qu'on s'est un ramen là avec du bœuf et du veau là. Trop bon les paupiettes de veau là. Parfois, je les prends même au fromage. Quoi? Il y a du fromage dedans. C'est trop bon. Oh. Il y a plein de farces dedans là. T'enlèves la ficelle et zlac. Les changements de programme là, les paupiettes de veau là. Chéri, changement de programme, on va se faire des paupiettes. Ah ouais. Avec quoi des paupiettes à la merde là. Avec quoi, des pâtes? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il nous reste là, putain? Avec des rochetis Migros. Des paupiettes de veau et des rochetis Migros. Les paupiettes, c'est bon, mais pas avec du fromage. Oui, bah c'est bon, je les ai pris nature, là, c'est bon. Attends, vous êtes intolérant. Il y en a pas beaucoup du fromage. Hein. C'est juste un peu. Bah, même si on a un peu, c'est pas bon avec. Il y en a un peu dessus, quoi. Moi, j'ai la bite en julienne. En julienne? Ah, c'est affreux. Bon, on fait vite la quête parce que l'autre con il va pleurer là. C'était pas ici? Ah merde, on est pas du bon côté, non? Y'a pas le perroquet ici, je vais tourner. Ah, les gens t'entendaient plus. Je fais le tour parce qu'y'a pas le perroquet ici. On fait le tour. Et c'est fini la quête après? Je pense pas, hein. Bah si, c'est fini. On rapporte comme d'habitude à celui qui à la base nous a passé la quête. Ah, j'y crois pas. J'en crois pas un mot. C'était pas ici non plus. Tu vas... Non mais... Faut tourner. Ouf. On n'est pas passé loin de la côte. On n'est pas passé loin, ouais. De toute façon, c'est ici, stop. Hein. Mais moment, ouais, mais non, on fait le tour pour trouver le perroquet là. Mais non, on perd du temps là, faut aller en haut là, et en plus là, on avait la montée. Mais il va me jeter l'encre lui. Faut pas aller là-haut. Oh putain. Mais non, mais si on s'était arrêté devant, on aurait pas eu à descendre le coffre et tout là, on doit descendre mais on le coffre. Pas devant le perroquet. Ah si, t'as raison, le perroquet n'est pas en hauteur. Remontez l'encre. Putain. Tournez à droite toutes. Oh là. On va se leur bouffer. Putain. Ça va. C'est tout doux. Y'a pas de trou. Par contre, si l'autre elle pleure pendant qu'on est en train de... C'est pour ça que je voulais le faire vite fait. On va surtout mettre le coffre sur la plage en attendant. Ouais. Où il est le coffre Migros? Celui qui pleure? Ouais. Il est là, côté de la barre. Bah. Ah ouais. Oh ah, bah voilà. Y est, il bah quand on parle du casse-couille. La pierre? Non, j'ai pris le coffre pour qu'il arrête de pleurer sur notre bateau. D'accord. Salut biscuit. Biscuit. C'est un bon nom d'oiseau. C'est un bon nom de perroquet, ouais. Salut connard. Okay.
Listen, listen. If I had feathers, they'd be molting. But now, you've inspired me to turn over a new leaf. I know I've been a bad egg. Abrège. But it's time to make my and for my appreciation, I'll deliver that gem of yours for only five. I mean, for free. From the heart and all that, you know? Now we're mates. Ouais. Yes. 3000, c'est tout. Vous trouvez qu'on a une gueule à mériter 3000? Vous savez, les efforts qu'on a fait, les pièges qu'on a évités. J'ai connu des loups. Et là, du coup, je suppose qu'on a débloqué les autres quêtes pour plus tard. T'as vu qu'on a terminé à minuit pile? Incroyable, non? Reste encore à vendre, mais c'est magnifique. Vendre, oui. Mais je veux dire, on a terminé la quête à pile poil. Ouais. Ah, c'est quoi qui brille là-bas? Je vogue. On sait jamais. Faut que je m'arrête alors. Ça dépend. Si c'est une bouteille... Ah! Dis-moi vite parce que il nous tire dessus, ah l'autre con. Tu peux le tuer? Approche. Oui, je peux. C'est quoi? C'est un coffre au trésor et dedans. Oh. Attends, je ramène un gros trésor. Attends-moi. Non, putain. Il est très gros. Il est, s'il est vide, je connais la blague déjà, hein, c'est pas la peine. C'est bon, je suis arrivé. Putain. C'est gentil les mecs qui nous ont aidés tout à l'heure, là j'y repense. Ouais ouais, on a pas dit grand chose mais... Quel gentleman. C'est des petits cœurs hein. Je pense que je serais bien la bite là. Ouais. Franchement ouais. C'est rare les ouais, gens comme ça, c'est sympathique hein, t'as vu. C'est rare les gens comme ça, hein, vraiment. Classe, Ted, je sais pas. Très sympa. Poli, genre pas envahissant, ils ont propre, tiré bien sur lui et tout. Ils ont tiré 2-3 boulets, bon. Propre. Tu sais, si le jeu était rempli de gens comme ça, bah on passerait de bons moments. Ouais, je suis d'accord avec toi là. Ouais. Ouais. Bon, les phosphorescents de mes couilles là, c'est pas rare. C'est pas très rare. C'est nul même, non? Surtout qu'on va pas aller les vendre, hein, on le sait très bien. Ah putain, faut aller les vendre obligatoirement dans un truc spécial. Faut un 6 postes. Sérieusement, mais il y a des poissonniers sur tous les avant-postes normalement. Et non. N'importe quoi. Attends, il chiale, non? Putain, j'étais en train de pêcher, connard! C'est quoi, moi j'ai oublié de récupérer le coffre. Heureusement que tu l'as fait. Attends, je l'ai fait? Ah ouais? Je me rappelle pas l'avoir fait. Pas tarder à arriver. Putain, avant-hier j'étais au concert de Big Flo, c'était ouf. Ah ouais? Ouais, ils ont mis le feu les mecs. T'as carrément pris feu non mec? Yes. T'as pris feu. Ils t'ont fait monter sur scène ou pas? Non, pas moi, mais c'est pas grave. J'ai juste passé un pur délire dans le public. Ok. T'as pas regardé la rediff? Non.
Tu verras, à un moment donné, il y a Kev et tout, il fait du breakdance sur scène. C'est un truc de ouf. Kev! Ah, le bon vieux Kev! Ça fait plaisir, ça. Ah bah, super, ça. En plus, les mecs, ils démarrent de rien. C'était des surveillants à Rouen. Quoi? Il comprend absolument tout. Je vous ai proposé un octogone à Marc Lavoine là. Oh, enfin, ça va, y a pas trop de casse. C'est bénin. Ah, là, c'est rien, c'est de la gnognotte. Des inconnus, au bout du monde, et pourtant. Pulvérisé sur l'autel. La violence éternelle. C'est pulvérisé. Je sais pas. Ils ont été pulvérisés. Pulvère. Ils étaient pulvère sur l'autel de la misère éternelle. Ah putain, ça nous rapporte plus de. Bah, on va se faire plus de bif au final qu'avec cette quête. Hein. C'est pas mal ce qu'on a trouvé hein, au final. Alors là, c'était mon crâne que t'as vendu? Ouais. J'ai pas vu combien ça a fait. On va vendre le tien. Ça a rapporté combien le crâne de ouf là? Je sais plus ça. Le crâne stylé du Kraken. Ah, toi, un peu moins malheureusement. Je t'avais dit, il y avait une valeur, valeur en moins. Conneries, c'est des conneries, putain. Malheureusement. On sait pas lequel était acquis. Pulvérisé au bout du monde. Combien ça les épices? Nice. Et du coup c'est bon, tout est vendu. Ah non, il ça reste. Ça n'empêche que depuis qu'on rejoue, je suis quand même à 27 000 quoi. C'est fou. C'est pas beaucoup. Pourtant on se donne au max. Bah 27 000 pièces d'or pour tout ce qu'on a fait. Bah quand je vois que quand tu veux acheter un truc pour ton bateau c'est 60 000. Ouais c'est ça, ça part trop vite. 1386. Oh, ça, mec, on s'est fait plus d'argent avec ce qu'on a ramené qu'avec la quête. Complètement ouais. Moi j'ai combien? J'ai 50 000 et mec avec mes 50 000 je peux pas acheter de trucs stylés pour le bateau. Bon bah voilà, on a fini. Attends, du coup je vérifie juste qu'on a bien les quêtes de débloquer. Ouais c'est bon, on a la suivante qui est débloquée. Pulvérisé au bout du monde. Si différent. Il faudra qu'on aille deux inconnus, deux anonymes, oh, et pourtant. Mec, le passeur guide les pirates trépassés vers le monde des vivants. Armez-vous de courage, il n'y a qu'un seul moyen de les rejoindre sur le vaisseau des damnés. Oh. Faut se taper, faut qu'on aille sur le vaisseau des damnés. Mais je sais pas si on doit se taper. Oula. Ah, ça va être ouf de devoir aller sur le vaisseau des damnés. Quelqu'un a dit que la prochaine elle était ouf. C'est vrai ça? Ouais. Pourquoi tu répares le bateau? On s'en va. Je suis maniaque. Un défaut? Maniaque. Perfectionniste. Feignant aussi. Et regarde, je retire. Et il est cop, hein? Voilà. Bah, il veut pas aller se coucher, c'est ça? Je suis pas feignant, hein. Oh, les paupiettes. Retour au bureau. Les paupiettes? Vite. Putain, j'ai le trou du cul en julienne là. J'ai envie de faire des paupiettes. C'est dégueulasse, putain. Bon allez, hop. Vous êtes bien mignon là, mais Ouais, vous êtes mignon. Mais quittez, retour au bureau. Des inconnus, au bout du monde. Violence. C'était éternel. Stade de France. Avec Piccolo. Et oui. Et Pierre Palmade, au bout du monde. C'est différent. Allez. Allez, au revoir. Au revoir. À mercredi. Crétin, tas de crétins. Crétin de merde.